Et donc, salut à tous et à toutes, c'est The Visceral Paul. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de Redwood. Yes, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur, on est de retour ici. On n'est plus au spawn. Du coup, j'ai pas pu aller avec les autres Redwoodiens pour faire un spliff. Manque de temps, hein. Mais maintenant, j'ai plein de temps puisque je suis en vacances. Du coup, le rythme des vidéos va aussi s'accélérer. Il va être 3 vidéos par semaine maintenant. Ça va être chaud à tenir parce qu'à un moment je vais partir, mais je vais devoir faire quelques vidéos en avance, mais ça devrait aller. Mais sinon oui, vous inquiétez pas, vous aurez 3 vidéos plus 2 nouvelles séries qui vont arriver et toutes les autres qui continuent, hein, Hearthstone qui sera beaucoup plus rare par contre en nombre d'épisodes, et aussi Creator bien sûr qui continue toujours. Et bien entendu, la série principale, Redwood, hein, ça, pas de problème là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve donc, pas eu le temps de faire le spliff, mais on se retrouve ici de nouveau, et on va continuer ce que je voulais faire au départ, avant de faire le spliff, c'était continuer bien notre... Comment on peut appeler ça ? Notre repère souterrain, tout simplement. Donc, dans cette cabane, je vous rappelle, qui nous mène directement... qui va nous mener dans le repère souterrain. Donc vous voyez aussi que j'ai bien agrandi les champs, ce qui est plutôt pas mal. Et donc on va pouvoir visiter ce que j'ai fait. Alors la déco, je vous l'avais déjà faite en vidéo, je vais vous remontrer. Sauf que là c'est nouveau, attention. Non, je vous montre pas tout de suite quand même. Donc en fait ici vous vous rappelez, il y avait les échelles pour remonter, parce que à l'époque il y avait pas les minecart. Et j'ai tout bouché parce que sinon après quand on sortait des minecart, vous voyez, là on tombe directement dans le trou, normal, mais avant on tombait sur les côtés et ça pouvait être dangereux parce qu'il n'y avait pas d'eau. Bref, j'ai aménagé en bas, comme vous voyez, ici. Et, voilà, donc on a un petit couloir, mais vraiment minuscule, hein, mais qui est bien décoré avec les nouveaux blocs. Toute la base sera comme ça, avec ces nouveaux blocs, parce que franchement, ils sont super sympas, enfin, je trouve, personnellement. Alors, j'ai déjà fait cet épisode, en fait, parce que aujourd'hui j'aimerais faire une porte 3x3. Vous montrer une technique plutôt simple, qui buguait, parce que je la faisais pas comme en créa. Du coup, là, j'ai pris des screens et tout ça, j'ai fait attention. Donc, tout simplement, il y a 3... Bon, merci Skype, hein, quand même, j'ai oublié. Donc, il y a 3 pistons en haut, collants, bien sûr, 3 pistons en bas, un piston ici et un piston ici. Donc là, qui seront tous les 3... en train de pousser, en fait. Du coup, on va commencer là. Donc, la plaque de pression qui est ici va activer le système. Voilà, tout simplement. Donc, on commence. Donc, c'est ici la plaque de pression, comme ça. Et alors, le problème, c'est que... le problème, c'est ça. Est-ce qu'avec le faceful, ça veut aussi le bug? Est-ce que c'est le faceful d'Aïpierre? Oui, ça le fait aussi. Juste pour cet épisode Redstone, on va passer en pack de... Ouais, j'aime pas trop, mais bon, on passe avec ce pack-là pour des questions de points de vue Redstone. Donc, au début, on fait juste ça, hein, tout simplement, c'est pas bien compliqué. Ah, ça fait bizarre de voir mes outils comme ça. Je vois jamais ça comme ça d'habitude. Ah, c'est chelou. Trop l'habitude de Onikiris. Bref, ensuite, on met toute une ligne comme ceci, tout simplement. Et plein de torches qui seront déjà activées. Donc normalement, si tout se passe bien, là, par contre, c'est beaucoup plus moche ici. Si tout se passe bien, on arrive ici et ça s'ouvre. Vous inquiétez pas, après on va repasser avec le onigiri. Enfin, ces blocs-là, c'est celle du faceful parce que onigiri, il est pas encore fait forcément. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est pour ça que j'ai creusé là juste à l'instant. C'est qu'en fait, alors attendez, je change de screen. Ah, pourquoi c'est comme ça? Oh shit. Comment j'ai pris mes screens encore? Ah voilà, c'est bon. Du coup, en fait, ensuite, on va prendre par là. Oui, la torche est un peu coupée. Donc là, on va par 1, 2, 3. C'est 4 normalement. Nyeh. 4. J'étais pas obligé de casser ce bloc là, mais c'est pas. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et ensuite, on va pouvoir commencer à monter. Oups, il me faut ça aussi. Donc on monte dans les étages.
jusqu'au niveau de ce bloc. Donc, tac. Le bloc aura une torche, comme ceci. Et ensuite, il nous manque plus que ça. Alors, attendez, pour m'aider, je vais faire un truc comme ceci. Tac, voilà. Donc, ce fil de redstone venait normalement désactiver ça. On va voir si ça marche. Donc, vous voyez la forme de la porte. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y aura un trou au milieu. Pour... question de facilité. Ça marche, pour l'instant. Alors, j'ai oublié de dire aussi, bah là, il y aura une salle d'expérience, en fait. Et on pourra rentrer que de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, il y aura soit une sortie de secours, enfin, pour moi, il y aura que moi à connaître la sortie de secours, hein. Pardon. Non, je croyais entendre des bruits de pas. C'est pas grave. Bref, il y aura une sortie de secours où faudra résoudre l'énigme pour passer. Alors, je pense qu'on aura soit le choix de monter, et c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est qu'en fait, il y a un bruit. Bref, à la fin des salles, soit on aura le choix de monter, et c'est là qu'il y aura plein de passages secrets en haut, enfin, à la surface, où on aura le choix de continuer à faire d'autres salles et tout ça. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc maintenant qu'on a fait ce côté-là, il faut faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Alors, il va falloir couper ici aussi. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh, ça passe pile poil. Par contre, toi, tu vas t'enlever. Tac, tac. On va poser une torche là. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais. Et on l'a la cable. Donc, toujours en escalier. Il faut juste faire en face. Donc vous avez vu, j'ai creusé pas mal d'espace, hein, parce que sinon à chaque fois je fais des trucs tout rikiki. Alors ça c'est des trucs que j'avais fait pour l'ancien épisode 9 en fait, parce que je vous l'ai déjà dit en début d'épisode, j'ai tourné deux fois cet épisode. Juste avant en fait et maintenant. Oh. Flûte, tac, comme ça. On va voir. Nier, j'ai oublié un fil. J'ai dû oublier un fil, c'est pas possible. J'ai tout bien fait. Ah ok. Voilà, ça devrait mieux marcher. Ah, ça marche mieux que la première fois quand même. Quand on suit les tests en créatif, oui, ça marche nickel. Et enfin, le dernier truc, c'est que là, on va utiliser la poudre qui est là. Parce que là, ça s'active, vous voyez, grâce à la lampe en dessous. Et en fait, vous allez voir, en fait, tout simplement. Attendez, il faut que je prenne notre plan. Voilà. Que je réfléchisse. Donc là, c'est la lampe, ok. Oui, c'est ça. Non, mais attendez, j'ai quelques doutes, parce que je regarde le truc en même temps pour pas faire de bêtises comme j'avais fait juste avant. Ah oui, ok. Et tout simplement, on fait ça, comme ça. Et là, les trois pistons sont activés. Je me suis bloqué, c'est pas grave. Donc les trois pistons sont activés, et comme vous voyez, la porte est totalement rétractée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la lampe, dès qu'elle va s'éteindre, grâce au courant-là, tout simplement, les pistons vont se re-rétracter. Bref, voilà. Tac. Et donc, regardons ce que ça donne. Ouais, c'est tout en même temps. Bon, le problème, c'est que là, il y a les lags serveurs qui font qu'on dirait que tout se met d'un coup, mais... Et là, le test, est-ce qu'on peut y aller en marchant? On peut y aller en marchant. Alors, faudra voir... Ouais, non. Et en courant, ça passe nickel. Normalement, en fait... attendez, on va le faire. Oups. Je sais pas si j'ai récupéré, je crois pas. Et donc, si on le fait en courant, imaginons, on est pressé, tout ça. Et ça fait un super bel enchaînement, hein. On pourra faire un truc à la Batman et tout ça. Enfin, c'est trop classe. J'aime bien. C'est plutôt vénère. Et donc, vous voyez, comme ça, ça fait classe. J'aime bien parce que ça re-rentre et tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est la même chose. Donc, je prends le face full, en fait, plus le nigiris. Je les additionne. Et comme ça, je vous montre. Parce que ça, en fait, c'est pas celui du Onigiris, c'est celui du... Enfin, la texture n'est pas celui du Onigiris, mais du Faceful. Parce que le Onigiris n'est pas encore à jour 1.8, forcément.
je dis forcément parce que voilà. Donc ensuite on va reprendre le pattern de l'extérieur, donc ce qui est celui-là si je ne m'abuse. Ouais, il y a juste un du granit. Je voulais garder du granit pour en revendre, j'ai refaire une expédition. Pour vous expliquer, le temps que je fasse ça, je pense faire un magasin au spawn, un magasin de granit, d'urite et tout ça. Parce que, je pense que pour l'instant, pas beaucoup de monde en a l'utilité. Mais plus ça va venir, plus les gens vont en avoir besoin, en fait. Donc, ça va commencer à être important. Tout simplement. Merde. Voilà, tac, tac, tac. Donc sinon, je pense que c'est tout pour cet épisode. Je vois pas trop quoi faire d'autre. De toute façon... C'est quoi ce bruit? De toute façon, je peux pas rien faire d'autre. Enfin, je vais pas creuser avec vous tout un truc. Enfin, ça va pas être intéressant. Je sais pas pourquoi les torches me sont bizarres. Je vais pas creuser toute la salle avec vous. Ça y a pas d'intérêt. Vous avez vu le système à peu près. Ah, faut que je m'entraîne au PVP moi quand même. Wow, alors là il y a un problème. Ah non, c'était juste que j'étais. Je suis une grosse merde. Bah, le zombie il pop sous mes yeux quoi. Voilà. Il y avait d'autres questions. Il va falloir que j'éclaire l'autre zone quand même. En plus j'avais arrêté de l'éclairer parce que j'avais plus assez de charbon. Je crois que j'ai assez de charbon là. Mais bon bref. On n'est pas là pour parler de ça. Du coup, hors caméra, du coup, comme c'est les vacances, sauf que, du coup, comme il y aura 3 vidéos par semaine maintenant, faut que je vois, parce que ça va être ça va me prendre forcément plus de temps. Et, j'ai pas commencé, normalement, là, on est début de semaine, oui, c'est ça. Et l'épisode de Creator n'est pas encore commencé. Donc voilà, c'est un peu chaud. Bon bref, donc petit épisode aujourd'hui, mais vous allez voir après ils seront normaux et tout ça, et il y aura, enfin normaux, je sais pas, peut-être qu'ils seront encore courts, mais il y aura plein de choses qui vont se passer. Hein. Il y aura le spliff, va y avoir quelques événements. On a prévu un petit truc avec Keeper, vous allez voir ça. Alors on a prévu, on l'a dit comme ça à l'oral, on sait pas comment, si ça va se passer ou pas, mais je pense, vous allez voir ça. Je peux vous en parler, les pranks, ça va fleurir. Surtout de ma part. Et puis voilà, tout simplement. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et bien d'autres séries, bien sûr. Qui vont commencer cette semaine, pour certaines. Donc, salut les gens.